J'ai toujours voulu être dans le regard de l'autre. Je suis chanteuse, je suis comédienne, tout passe à travers le regard. J'ai fait un premier film avec Bigas Luna, il y avait une scène avec Javier Bardem où il m'a dit « si tu savais tout ce qui passe à travers ton regard ». Du coup, je me suis dit « il faut que je le travaille, pouvoir passer des émotions à travers un regard, pouvoir parler à livre ouvert ou se cacher de temps en temps quand on a besoin ». J'aime me regarder le matin, je prends du temps à me faire jolie pour ma famille, pour mes enfants ou même pour moi-même. J'aime être toujours un peu maquillée, je suis coquette, hein. Je suis une fille très très coquette. Et après, je n'aime pas me retrouver face à des miroirs pendant la journée. Une fois que c'est bien, ça restera comme ça jusqu'à la fin de la journée ou pas. À travers les regards, on sent les choses qui ont pu te traverser durant les années. Et j'aime les regards matures, j'aime les regards des femmes mûres. J'aime voir à travers ces regards toute une vie ou m'imaginer toute une vie à travers ces regards.